qu'est-ce qu'il y a dans la case numéro 1 du calendrier? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? Ah, yes, un moment. Oh! Merci! Mais il n'y a pas que ça, regarde! Oui, je sais. Bon, regardez, si on avait besoin. Regardez si on a des plus petits, des bonbons, parce que à des endroits il y en a un peu plus, donc. Soulève bien. Ouais. Non? Alors, je l'aime petit peu l'intérieur, je vais l'utiliser maintenant. T'es contente? Mon maquillage. Allez. Il est trop beau. Bon, ben, je suis contente que ça te plaise. Il est trop beau. Oui, j'en ai besoin, je te l'avais dit. Mmh. Tu vois? Il est tout propre. Waouh, trop beau. Yann a fermé les yeux et du coup il doit piocher deux bonbons. Alors, ah, qu'est-ce que t'as eu? J'ai un Twix et un Snickers. Ça te convient? Ouais. Et coucou, nous sommes le 1er décembre, il est 8h05. Donc je vais ouvrir mon premier calendrier. Je vais ouvrir le Glossy Box et ensuite on ouvrira le calendrier café de chez Friends. Donc c'est du café Nespresso. Alors on commence par le Glossy Box. Alors je vois que ma fille a fouillé pour regarder ce qu'il y avait à l'intérieur. Alors case numéro 1. Alors je sais que Stella m'a dit maman t'as trop de la chance parce qu'elle l'a regardé. Oh, première case, déjà une petite palette de Sofix. Alors je connais Sof, c'est Sof de Snake, c'est une youtubeuse anglaise. Et elle a fait pas mal de collabs avec Makeup Revolution. Et là on a une palette d'highlighter duo Cookie and Cream Illuminateur. Alors on va l'ouvrir pour voir. Je sais pas si j'avais déjà vu cette palette. Bon, après elle en a fait plein. Moi j'avais acheté une ou deux de ces collabs déjà. Mais en palette pour les yeux. Et là, alors déjà c'est très bien emballé, j'arrive même pas à l'ouvrir. Voilà. Alors les palettes restent toujours dans cette espèce de nude rosé. Alors Revolution Sofix Glow. Oh, elle est trop belle. Et elle se présente comme ça. Donc on a un miroir. Donc en fait on a deux highlighters. On a un highlighter champagne à gauche et très... j'arrive pas à voir avec la lumière parce qu'il fait pas encore jour. Cookies, ouais, c'est ça. Façon cookies, un petit peu café. Bah, j'aime bien ces teintes, écoutez. Alors, on fera un swatch lorsqu'il fera jour. Hein. J'essaierai de vous faire un swatch un peu plus tard dans la journée. Mais franchement, j'adore. C'est trop sympa. Je sais que ma fille va me la piquer, celle-là. C'est ma maman, t'as trop de la chance. Alors, voilà pour le... Et voilà pour le Glossy Box. Alors, franchement, ça commence très fort. Ça commence très bien, là, le... Le calendrier de l'Avent Glossy Box. Alors, attendez. Voilà. Et maintenant, on va ouvrir le café. Alors, comme je vous l'ai expliqué dans le vlog, lorsque je vous expliquais l'achat de ce calendrier, il y a pas mal de, vous voyez, de goûts assez différents par rapport à ce qu'on boit nous ici. C'est vraiment très américain ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on va ouvrir la case numéro 1. Dans la case numéro 1, oh, c'est un petit peu décalé. Voilà, c'est pas grave, j'arrive à l'attraper. Dans la case numéro 1, mais dis donc, hein, c'est bien coincé. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la case numéro 1? J'arrive pas à lire. Oh là là, j'arrive pas à lire. Alors, l'orangé. Regardez derrière, tant pis. Hein. Alors, ça correspond à cette couleur-là. Donc, c'est Pumpkin Spice. Oh, trop bien. Je vais pouvoir goûter ça. Alors, j'ai jamais goûté de café à des goûts comme ça. Vous voyez, on a du Pumpkin Spice, du gingerbread, de la noisette, du caramel, de la cannelle, de la vanille, Christmas Pudding et Orange Crème Cream. Alors, Pumpkin Spice, ça va être la première fois. Donc, on le goûtera ensemble un peu plus tard lorsqu'il fera jour aussi. Hein. Comme ça, je vous montrerai s'il fait de la mousse, etc. Si les dosettes passent bien, parce que comme elle est un petit peu pliée, j'espère qu'elle va passer. Vu qu'elle était un petit peu pliée dans le calendrier, là. Donc, on verra, mais c'est sympa. J'ai bien envie de goûter ça. Au niveau de la déco, je vous montre un petit peu le petit coin télé. Donc, j'ai fait quelque chose de très, très simple. Alors, les petits sapins, normalement, s'allument, là. Mais il me semble que je n'ai pas les piles qui conviennent. Donc, j'irai les chercher. Je vous remontrerai ça tout le long du mois de décembre. Donc j'ai laissé la baffle JBL là, j'ai laissé quand même cette petite plante parce qu'elle a besoin de jour, de lumière. Et vous voyez, j'ai fait quelque chose de simple. Donc je n'ai pas allumé ces bougies parce que ça ne ferait pas beau. Je les allumerai vraiment le 24 décembre. J'ai mis un petit chemin de table. Alors vous savez, à l'origine, c'était pour faire mon nœud sur la télé.
Mais je me suis aperçue que ce n'était pas la bonne matière. Vous voyez, c'est un genre de matière plastifiée. Donc j'ai été racheter autre chose pour faire ma porte, mon nœud de porte, mais du coup je l'ai mis là. Je trouve que ça va très 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 bien comme un petit chemin de table, là chemin de buffet. Voilà, donc quelque chose de simple pour ma télé. Alors pour ma table, j'aime bien laisser ce style de déco là un petit peu tous les jours, hein, jusqu'à Noël. Et ensuite, ben, quand Noël sera terminé, on passera à un autre mode. Mais c'est juste vraiment pour la déco, pour garder ça toute la journée. Hein. Moi, j'aime beaucoup ça. J'ai rajouté du houx là sur cette couronne. Hein, que, bon, alors le houx, je l'ai ramassé l'année dernière, donc il est un peu sécosse. Donc, je pense que je retournerai en forêt, remettre du houx frais. Voilà. Voilà pour ma table. Ensuite, on a le sapin ici. Faites pas attention aux chaussures de ma fille. Elle est partie au collège, elle a tout laissé sur place. Donc voilà pour le sapin. Alors il n'est pas du tout illuminé là. Je vais finir un petit peu de peaufiner tout ça. On a un petit nounours de Noël au pied du sapin. Et voilà comment il est non illuminé. Et ensuite je vous montrerai ça illuminé. Faites pas attention au boxon comme je vous l'ai dit. Ici comme d'hab j'ai mis une jolie petite guirlande qui descend jusqu'en bas, et en haut nous avons une étoile. Au niveau du buffet, j'ai fait quelque chose de simple également. J'ai laissé, vous savez, mon espèce de chemin de table dentelle que j'ai trouvé aussi chez Action il y a des années. Donc je trouve que ça va, ça reste pas mal pour la période. Donc j'ai mis tous mes calendriers de l'avant, donc le Friends, le Glossy Box de cette année. Il y a quelques petites décos, vous voyez, les petites maisons illuminées, finalement je ne les ai pas mises dans le sapin, mais j'ai préféré faire un genre de village, voilà, quelque chose de bien rouge et peint d'épices ici. On a un petit Père Noël, là on a les célébrations de mon fils, le calendrier de l'Avent Glossy Box de ma fille que j'ai rempli moi-même, si vous suivez mes vlogs vous le savez, avec de la petite déco par-dessus. On a le miroir, au-dessus j'ai mis le petit nœud puisque j'ai réussi à faire un nœud sur la porte moi-même avec le tissu. Donc j'ai mis un des deux petits nœuds ici, il me reste un nœud rouge, je ne sais pas encore où je vais le mettre. Les guirlandes de chez Timou, je me souviens jamais du nom, les candy cane de chez Action. Alors elles ne sont pas allumées, je vous les allumerai également. Voilà, et puis j'ai aussi la corde, vous voyez, qui vient de chez Action, qui s'illumine également. Donc je vous ferai une petite vue de tout ça allumé. Je pense que je vais le faire tout de suite pour vous montrer. Ou dans un autre vlog, ouais non, je le ferai dans un autre vlog, comme ça aujourd'hui vous avez la version semi-jour, semi-nuit, parce que là il fait pas encore très très jour, et je vous ferai la version dans le noir ce soir, et vous l'aurez dans le vlog de demain. Voilà, si j'arrive à me tenir à faire un petit peu un genre de vlogmas, je sais pas encore si je vais le faire ou pas. Voilà. Puisqu'on reste dans Noël, dans les derniers vlogs, j'ai oublié de vous montrer la floraison de mes cactus de Noël. Alors celui-là a déjà fleuri, là il est en fin de floraison, c'est pour ça que vous voyez que c'est un petit peu tout mou tout ça, hein. Mais sinon il était très joli, celui-là il est en pleine floraison. Alors l'année dernière il était complètement blanc, cette année il est blanc rosé, et c'est vrai que j'avais entendu dire que ça pouvait changer de couleur d'une année sur l'autre. C'est plutôt sympa, on n'a jamais mis les mêmes fleurs en fait, c'est trop bien. Donc voilà celui-là, on en a un autre ici, lui il n'a pas eu beaucoup de fleurs. Il a vraiment juste ça. Vous voyez, sur les autres extrémités, il n'y a pas de bouton, il n'y a rien. Et là, lui, ben, il est en fin de floraison. Il était rouge fuchsia. Rouge rose fuchsia. Et voilà. Donc du coup, ça donne du baume au cœur de voir des couleurs comme ça. Je trouve ça tellement beau. L'année prochaine, je vais en racheter plein parce que j'adore ces cactus-là. Allez, c'est l'heure de goûter la capsule Nespresso Pumpkin Spice. Alors, on va voir si elle va passer parce qu'elle était un petit peu tordue dans le calendrier. Comme j'arrivais pas à la lever. Attendez, il y en a une là qui est coincée. Voilà. Donc, on va voir ça. Ça a l'air de passer. J'ai dû appuyer pour la reprogrammer, hein, parce que je pense que la dernière fois que mon mari s'est fait un café, il s'est fait un petit. Donc là, je reprogramme la longueur en même temps. Voilà, je pense que là, c'est bon. Alors, au niveau du goût, au niveau de l'odeur déjà, au niveau du parfum, ça sent vraiment un petit peu les épices. Hein.
Je trouve pas le pumpkin, mais je trouve les épices. Bon, ça sent un petit peu le chocolat, je sais pas. Ça vient peut-être des épices. Hein. Ben écoutez, c'est plutôt bon. C'est assez spécial. J'ai pas l'habitude de boire du café comme ça. Alors par contre, le café n'est pas fort du tout. C'est un café très très doux. On sent plus les épices qu'autre chose. Je suis un peu déçue que le café ne soit pas fort. Peut-être j'ai fait aussi, je l'ai trop étiré peut-être. Comme j'ai reprogrammé la machine, je l'ai peut-être trop étiré. Donc on verra pour le prochain café de même. Et coucou, nous sommes toujours le 1er décembre, c'est l'après-midi, on ne voit plus rien. Bon, j'ai pas allumé. J'espère que vous y verrez, puis j'ai l'ordinateur qui m'éclaire. Alors justement, qu'est-ce que je faisais? Ben, j'étais en train de passer une commande sur Café Capsleine. Je vous avais dit que j'avais commandé fin octobre. Et là, ça y est, j'arrive à bout de mon café. Je n'en ai plus. Donc, il me reste ça de café en grains, voilà. Donc je vais repasser une commande de café en grains et je vais également me prendre des dosettes. Donc je vais vous montrer tout ça. On va faire une commande et normalement sous 7 à 8 jours elle devrait être. Voilà, je viens de me connecter. Donc déjà en premier, je vais prendre le café en grains. Il est toujours en promo, c'est parfait. Donc je vais en prendre 3 comme la dernière fois. Hop, 3 cafés en grains. Comme ça, j'en ai pour plus d'un mois en fait. Et je vais également prendre pour la Nespresso. J'ai envie de prendre aussi pour la Senseo cette fois. Alors pour la Nespresso, j'avais repéré cette marque-là que je ne connais pas. Noisette Dolce Vita. J'avais repéré ça. Lait au chocolat, crème brûlée. Vous voyez le calendrier? Que j'ai ouvert ce matin. Je voulais vous montrer quelque chose. Si vous avez eu ce calendrier comme moi et que vous aimez les saveurs qu'il y a dedans, regardez. J'ai vu ça l'autre jour. Il était en rupture. Ben, ils l'ont remis là. Ah, est-ce que je commanderai pas ça? 50 capsules pour Nespresso, 13 euros. Alors évidemment, il y en a beaucoup plus que dans le calendrier. Il y en a même le double d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a des Choco Chéri, caramel, vanille, hazelnut, caramel toffee. Donc si je divise ça, voyons, calculatrice, 13,39 divisé par 5, je crois que ça revient plus cher, mais bon. Ça revient à 2,60 le pack, ouais. Alors, c'est plus cher parce que c'est la licence Friends. Donc, je peux les avoir, moi, dans d'autres marques moins chères. Hein. Donc, ouais, non, je vais pas prendre ça. Ça revient plus cher au niveau des dosettes. Vous voyez, avec 1 € de moins, j'ai le même nombre de dosettes, les mêmes goûts. Alors, c'est pas la même marque, mais j'ai les mêmes goûts. Et la dernière fois, j'ai pris justement ça. J'avais pris celui-là, Hazelnut. Il était très bon. Donc, je pense que je vais en reprendre un. Mais ceux-là sont à 1,29 €. Ils sont encore moins chers. Donc, j'ai bien envie d'essayer cette. Vous voyez, macaron à l'amande là. Oh là là. Ouais, allez, celui-là, je le prends. J'ai envie de tester cette marque. Je ne la connais pas du tout. Alors, je pense que je vais prendre 2-3 marques différentes cette fois. Alors, Coco. Oh non, il est épuisé! Vous vous rappelez de celui-là? Belmio, ce que je trouvais chez BM. Je l'ai trouvé chez BM, plus cher. Mais ils étaient trop bons à la noix de coco, là. Oh, il y en a plus, c'est dommage. Et après, il y avait aussi ceux-là. Mais pour le coup, ils ont le même goût pratiquement que les autres. Donc, est-ce que je pourrais trouver la coco dans cette gamme-là? Est-ce qu'ils en font de la coco? Il y en a plein, regardez. Chocolat, caramel, noisette, ristretto, coffee, premium, strong. Ah non, il n'y en a pas tant que ça, voyons. Ah non, ils n'ont pas de coco, c'est dommage. L'autre était vachement bon. Hein. Alors attendez, où est-ce qu'on va faire? On va passer pour Nespresso. Et on va filtrer par prix. Est-ce que je peux filtrer par prix? Ouais. Prix. Voilà, donc du moins cher au plus cher. Vous voyez, une marque encore moins chère, mais ce n'est que du café sans parfum, enfin, sans parfum. Sans saveur particulière, juste du café.
Et le moins cher, c'est celui-là. Donc, on a mini kiosque de noisette Dolce Vita. Donc, je vais en prendre un. J'ai pris tout à l'heure. Je sais plus ce que j'ai pris. Oui, j'ai pris macaron. Ensuite, on a bon, du longo, à la menthe, il est là. Chocolat menthe, je sais pas si je vais aimer. Un coffee, non. Je veux pour le coup, rien qu'avec des goûts. Parce que j'ai déjà mon café en grains pour le café normal. Qu'est-ce qu'on a? Décaféiné, ristretto, non, ristretto c'est trop fort. Je pense que je vais prendre plusieurs marques différentes quand même. Caramel, alors ça je connais, c'est pas terrible. Cette marque elle est vendue chez Action, René. Et pareil pour, et aussi chez, alors je les ai trouvés aussi chez Lidl une fois. J'aime pas cette marque en fait, j'aime pas ces dosettes là. 2,9€, il y a des promos là sur le Barista Friend. Vous voyez, à part on peut les trouver même en promo. Belmio. Ouais, non, ça c'est pas des goûts que je souhaite. Chocolat, non, je suis pas très fan. Crème brûlée, j'ai pris. Amande, j'ai pris. Non, crème brûlée, j'aime pas trop. Ah, Zelnout, j'ai déjà pris, mais putain, que je vais en prendre plusieurs en fait. Vous voyez les Belmio, hein, elles sont épuisées, elles sont aimées ces dosettes-là. Elles sont hyper bonnes, hein. Je pense que je vais aller voir aussi dans les Senseo pour voir. Bon, après, c'est plus du vrai café, quoi. Vous voyez l'or en. Hein. Un dosette aussi. On a le Friends à part. Lavazza. Non. Ben écoutez, là, ça me plaît plus. Les saveurs étaient au-dessus. Donc, je vais regarder maintenant pour la. Alors, pour la Senseo. Pour Senseo. Alors, je vais trier par prix aussi. Alors, vous voyez tout de suite, c'est un petit peu plus cher quand même. Hein. Donc, Senseo Mild. Je connais pas. 1,39€, c'est pas cher. Et on a 16 dosettes à l'intérieur, elles sont vraiment pas chères. Qu'est-ce que c'est ces dosettes? Je les connais pas. Qu'est-ce que c'est? Ah, parce qu'elles sont compostables, mais c'est pas mal du tout ça. D'accord. Bon, après, il n'y a pas de saveur, donc bon. Moi, je veux vraiment des dosettes avec des saveurs. Cappuccino, je suis pas fan. Après, on a des dosettes normales. On a les René, que j'aime pas. Ouais, de suite, un Senseo, c'est plus cher quand même. Bon, après, il y a quand même 36 dosettes. Donc, il faut voir. Et moi, je les ai payés un et quelques, ce qui fait 3 passés. Donc, non, finalement, il y a 36 dosettes. Donc, c'est pas très cher. Donc, je pense que je vais prendre une noisette, là. Mocha. Alors, mocha, je sais pas trop. Là, il y a des mélanges. Café quotidien. Les 3, 4,99€. Alors là, c'est vraiment, vraiment pas cher. Mais c'est dommage qu'il y ait un fort. Il n'y aurait pas eu un fort, je l'aurais pris. Ce mélange. Et là, on a un autre assortiment. Vous voyez, des fois, il y a des assortiments comme ça qui peuvent être intéressants. Classique, décaf, extra. Putain, là, c'est pas cher, là. Oh, strong, hazelnut, classique, caramel, strong, vanilla. 17,99€. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a 9 paquets de café. Alors, comme je ne connais pas la marque, je ne vais pas m'avancer. Mais je crois que ce que j'ai pris tout à l'heure, c'est celui-là. Donc, si je vois que c'est bon, eh bien, écoutez, la prochaine fois, peut-être que je me prendrai le stock, là. Ça vaut le coup, ça. Bon, je vais regarder s'il n'y a pas du stock comme ça dans les Nespresso. Est-ce qu'il n'y a pas des... Est-ce qu'il n'y a pas des lots au niveau des Nespresso aussi? Parce que ce serait pas mal, ça. Si, il y a des lots, mais c'est des lots à 28€. Donc, de suite, c'est plus cher. On a les Friends à 13,39€. On a un lot, là, à 26€. Ah ouais, non, c'est du café normal. Après, on a un lot de démarrage de Starbucks. Alors, je ne sais pas si je vais, mais... Ah, ben voilà, les lots sont là. Starbucks... Ouais, non, c'est que du café normal avec des goûts, mais comme c'est à l'américaine, je sais pas si je vais aimer, donc je prends pas le risque. Et là, on a des lots aussi, regardez, 28, 15, alors ça, c'est la gamme que j'aime. Dynamite café, donc celui-là, il doit arracher la tronche. Strong, c'est trop fort pour moi. Et là, on a caramel, ah, c'est pas mal ce lot, mais ça, je vais pas aimer, donc non. On a encore... Ah ben, on a du Nescafé.
Après, il faut voir au niveau du... Ouais, non, là, c'est toujours Colombia, machin. Moi, je suis pas fan de ça. Moi, je veux vraiment des goûts. Il me semble en avoir vu d'autres tout à l'heure. Mais j'essaierai bien quand même celui-là, vous voyez, le Star... Alors, il n'est pas donné. Mais le Starbucks... Toffee Nut. Il a quoi, ça? C'est à quoi, ce truc? Capsule de café qui va égayer vos fêtes. Un café noir délicieux. Oh, ouais, non. Si c'est fort, c'est pas la peine. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Franchement, ce site, il est top. Il y a vraiment, vraiment de tout. Il me semblait avoir vu un autre lot quand j'étais plus par là. Il me semblait tout à l'heure avoir vu un lot. Non. Non. Ouais, cette marque, j'aime pas non plus. Je l'avais déjà testée. Oui, non. Après, c'est du café. C'est plus du café normal. Voilà, j'ai fait mon choix. Donc, j'ai pris trois cartes noires, comme d'habitude, en grains. J'ai pris deux macarons à l'amande en capsule Nespresso. J'ai pris du noisette en espresso également. J'ai pris du noisette en Senseo pour savoir ce que je préfère. J'ai pris également le Senso Mild, là j'ai envie de le tester, en plus il est en promo, donc on verra s'il est bon. J'ai pris du biscuit en capsule Nespresso, du caramel en espresso, et j'ai voulu tester le De'Longhi Café Créma en 250 grammes, café en grains. Donc ils disent qu'il est plutôt sucré et doux, et moi ce que j'aime pas les cafés trop forts, et j'en ai pour 51 euros. Bon, c'est pas donné, hein, mais ça fait très longtemps, là je pense qu'on en aura pour 2 mois, voilà. Peut-être plus, on verra, mais c'est vrai que nous, on boit beaucoup de café. Et moi, j'aime beaucoup avoir des saveurs, surtout à cette époque-là de l'année. Bon, bah, c'est le 1er décembre, toujours. Et je suis en train de faire du chocolat chaud pour le goûter de mes enfants. Donc, je vous montrerai le résultat. Et moi aussi, je vais en boire un tout petit peu, hein, parce que j'aime bien le chocolat chaud, mais en petite dose. Et voilà, le chocolat chaud est prêt. On va déguster, on vous dira si cette recette est bonne. Voilà. Ça a l'air trop bon. Samedi 2 décembre, Stella ouvre sa case. Case numéro 2. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une petite boule de vin. Oui. Elle est belle. Elle a pris autre Ah, mais il y chose, en a hein? deux. Ah ouais? Oui. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Ah. Je crois. Ouais, non. Non? Deux boules de vin. Elles sont belles. Ça sent bon ou pas? Ouais, mais moi je vois que ça sent. Enfin, je sens un peu parce que moi j'aime bien coucher là. Numéro 2 pour moi. Alors, qu'est-ce que ça va être? Il est le 2 déjà, je ne le vois même pas. Ah oui, là. Case numéro 2. Ah, mais j'ai déjà eu ça. Mais c'est pas grave parce que j'aime bien. C'est de l'arrosé, ouais, si je ne me trompe pas. Gel crème hydratant. Gel crème hydratant. Ben écoutez, j'aime bien. Donc, il n'y a pas de problème. Peau normale et mixte, jour et nuit. En plus, le format, il m'a l'air pas trop mal. Je vois pas trop. 60 millilitres. Ben écoutez, je l'ai déjà, je l'aime bien, donc c'est cool.